Si nous voulons éviter de déplaire, c'est parce que tout naturellement, nous avons ce besoin irrépressible de vouloir absolument être aimé. On veut être aimé. Aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. On a un frais des choses pour ça. Hein. Mais dans la rue, c'est comme si vous marchiez dans la rue tous les jours. Bonjour, qui veut m'aimer, s'il vous plaît, hein, qui m'aime, levez la main, s'il vous plaît. Et on est comme ça dans notre vie. Et je crois que l'une des plus belles façons d'échouer sa vie, il existe des milliers de façons de réussir sa vie. Mais s'il existe une façon sûre de rater sa vie, c'est celle de vouloir plaire à tout le monde. Si vous tentez de plaire à tout le monde, vous allez un jour ou l'autre ou chaque soir vous déplaire. C'est un peu se renier soi-même finalement. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un moment donné où soit tu acceptes de dire à un moment donné, je veux me plaire à moi. C'est possible que je me plaise? Est-ce que c'est malsain de se plaire? Il y a l'image de Narcisse, tu sais. Ouais, ouais. Mais elle a été galvaudée, Narcisse, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout ça l'histoire de Narcisse. Mais ça a été tourné en dérision, l'homme qui se regarde sur son visage dans l'eau, son reflet, etc. Mais pas du tout, Narcisse était quelqu'un qui s'appréciait vraiment. Et aujourd'hui, on tourne tout en dérision. C'est simple, dans la plupart des esprits aujourd'hui chez nous, notamment au Québec, c'est s'aimer, c'est être arrogant. Ben oui, égoïste. Ou... Égoïste. Je comprends. Oui, il s'aime trop. Il s'aime trop. Il se prend pour qui? Oh, pour qui tu te prends? Mais rien, je m'aime. Oui, voilà. Mais comment ça, tu t'aimes? Ça ne se fait pas de s'aimer. Si tu t'aimes, c'est que tu n'aimes pas les autres. Ah oui? C'est le contraire. Ben, c'est-à-dire que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est impossible d'aimer les autres si vous vous détestez. Tout à fait. Comment voulez-vous redonner à d'autres ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas vous-même en vous? C'est comme l'image de l'énergie. Je rentre le soir, j'ai aucune énergie. Comment voulez-vous redonner de l'énergie à vos enfants si vous n'en avez pas vous-même? L'amour, c'est la même chose. Aimez-vous.